Salut à tous et à toutes, c'est PsychoLicette. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, les amis. Aujourd'hui, moment épique pour notre chaîne. Ça fait plaisir parce qu'un nouveau joueur est sorti. Bien évidemment, on va en parler de pourquoi ce joueur est si important pour nous. Présenter l'équipe, faire un petit match avec et puis se remémorer de bons souvenirs. C'est le programme d'aujourd'hui. Yeah! Les amis, la nouvelle saison a enfin commencé et vos crédits sont d'ores et déjà prêts sur FIFA Coin. N'hésitez pas à utiliser mon code PSYCHO pour une réduction de 5%. Faites-vous plaisir, achetez les joueurs que vous avez envie. Le lien est dans la description. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. Alors, les amis, au niveau de l'équipe, comme vous pouvez le constater, nous avons essayé de jouer un maximum de joueurs que nous avions packés. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai Silson, Small et Driwesh, des joueurs objectifs que j'ai récupéré parce que bien évidemment Virgil van Dijk nous l'avons packé en premier détenteur. J'avais aussi Alexander Arnold en premier détenteur qui est plutôt intéressant sur les côtés pour les centres. Du coup bah voilà, ça faisait le lien parfait. Donc du coup j'ai pris Gravenberch pour pouvoir avoir du fun. J'avais Raphaël Leao, donc du coup j'ai composé, j'ai acheté Quara qui coûte vraiment pas cher en vrai, je l'ai payé 26 000, peut-être qu'il est même moins cher maintenant. Double 5 que je vais jouer en milieu offensif ici, et nous avons Victor Osimhen aussi que je trouve vraiment pas cher par rapport à la carte que c'est, 47 000. Donc vraiment la Serie A, petit truc plutôt sympa. Ce qui veut dire qu'en gros, bien évidemment, on fait cette vidéo parce que ben il y a un poste qui manque et cette équipe a été créée pour lui. Vous vous souvenez, il y a 9 ans peut-être, nous avions sorti une vidéo, je vais vous montrer parce que vraiment pour les plus anciens, allez la voir, c'est Joue la com, FIFA 14 Ultimate Team il y a 9 ans, presque 10 ans. Joue la com, Yaya Touré. Le concept était simple sur cette série-là, c'était on prend un joueur cher dans le jeu et on propose un joueur qui peut rentrer dans la même équipe, qui a des statistiques moins fortes peut-être, mais qui au niveau in-game est presque aussi fort, voire meilleur. Et c'était bien évidemment déjà à cette époque là un certain Leroy Fer qu'on présentait, qui jouait aussi en première ligue. Donc voilà, là le lien c'était quoi, milieu centre, milieu défensif, première ligue, et en plus il pouvait rentrer dans la même équipe par rapport à la première ligue, donc c'était assez intéressant. Et en termes de statistiques, voilà, il avait des stats quand même, Leroy Fer, mine de rien, à presque 70 partout, que ce soit en défense, offensivement, etc. Et puis une force qui était vraiment folle. Donc du coup Leroy Fer a été un joueur qui nous a suivi pendant des années sur notre série à 0€, et on a kiffé, hein, pour vous montrer des petits trucs, voilà vite fait, mais vous irez voir la vidéo. Logiquement on a mis, je crois qu'il y a des petits buts, des petits trucs comme ça, enfin en gros je présente le joueur, je montrais des petits clips, etc. pour vous montrer. En gros, voilà, tu mettais des actions, tu mettais des trucs, et puis le joueur, vraiment, Leroy Fer, en vrai, sans abuser, c'était vraiment une machine, tu vois. Hop là, petit ciseau, ça rentrait. Enfin, voilà, il était incroyable ce joueur, je le kiffais vraiment de fou. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et du coup, bien évidemment, eh ben, ils ont sorti un SBC, vous l'avez vu, et ce SBC là nous proposait un petit Leroy Fer 85 de général. Alors bon, il a changé, maintenant il est en Turquie, donc voilà pourquoi cette équipe là, au niveau de l'effectif, pour essayer de le rentrer un maximum, beaucoup de joueurs des Pays-Bas. Tout simplement. Et on l'a repris bien évidemment. Alors bon, je vais pas vous mentir, c'est pas aussi fort que les années précédentes, je trouve. Mais ça fait toujours plaisir de l'avoir dans le club et on va faire un petit peu de jeu avec. Il peut jouer DC, ce qui est très intéressant. Je pense d'ailleurs que son meilleur poste serait peut-être défenseur central. Je vous le préchote. C'est une nouveauté aussi sur sa carte là. DC, MC, MDC, plutôt intéressant. En termes de statistiques, on retrouve un peu les statistiques à l'ancienne. Alors un petit peu boosté parce que il a quand même 85 de général. Mais plutôt intéressant. Et puis au niveau des styles de jeu, bon il a des tours en niveau défensif. Hein, donc voilà, puis physique. Donc on va vraiment. C'est vraiment le milieu récupérateur, offensivement beaucoup moins intéressant qu'avant, mais ça reste plutôt sympa. Et donc voilà l'équipe qui est là. En termes de tactique perso, je viens de la créer à l'heure actuelle parce qu'en fait je ne jouais sans tactique perso jusqu'à maintenant. Et là je me suis dit bon, il va falloir un petit peu plus de défense parce que je suis éclaté au sol. Donc je vais jouer en 4-2-3-1 ici. Et vous allez voir que ben l'équipe elle est là. Osimhen en pointe, Quara en soutien avec ses 5 étoiles, ça peut être intéressant. Leao et Driwech sur les côtés. Et on a justement ce Gravenberch, Leroy Fer en duo pour faire la récupération. Van Dijk, Tomori, Small, Alexander Arnold et Silson. Au niveau des instructions pour vous les montrer vite fait, dans le dos de la défense pour les attaquants, revenir derrière pour les milieux gauche, milieux droit, rester derrière pour les milieux défensifs, et j'ai un latéral Alexander Arnold où je lui demande de monter parce qu'il est très très fort en centre, et que vraiment les centres c'est très très fort dans ce FIFA je trouve. Donc voilà le petit Leroy Fer qui fait plaisir, on va lancer un petit match juste pour kiffer, voilà un petit peu si c'est possible, parce que je vous avoue que là on commence vraiment à galérer en Rivals, on est division 6, on est éclaté au sol, on n'y arrive pas, hein, vraiment on est vraiment pas bon à l'heure actuelle, il va falloir un petit peu se remettre en question. Après bon, c'est vrai qu'on a
jouer sans tactique perso jusqu'à maintenant. Là, je viens de la faire. On verra un peu ce que ça donne. Mais on veut tester, bien sûr, Leroy Fer. Donc, si on a la possibilité. Alors, quand on teste un joueur, voilà, on abuse un peu sur lui. Je vais essayer des grosses phrases passes, bien évidemment. On va essayer de se remémorer des souvenirs. Mais ça fait plaisir, le petit clin d'œil à Leroy Fer en début de FIFA. J'ai reçu énormément de messages de personnes sur les réseaux par rapport à sa carte qui était sortie. Donc, ça fait plutôt plaisir de voir que les gens se souviennent de cette légende. Et puis, écoutez, l'équipe, franchement, je la trouve plutôt sexy, mine de rien. Alors, bon, je suis pas sûr qu'on va la garder super longtemps parce qu'on a des crédits, on a des packs à ouvrir. Peut-être qu'on va packer des choses meilleures. Mais c'était important pour nous de le tester, de s'amuser un petit peu avec parce que c'est le principe de FIFA aussi, c'est de se remémorer des joueurs qu'on a kiffé et essayer de tester le maximum. Et vraiment, la Serie A, bah là, avec les joueurs offensifs que j'ai, je la trouve vraiment très intéressante. Allez, c'est parti! Un petit Roberto Carlos en prêt, Tonali, Gakpo, Sterling, Diaz et Salah boost. Ok, nice. Nice. Bien joué. Solide l'équipe. On va voir ce que ça donne, les petits potes. Là, en fait, moi, mon gros problème sur ce FIFA, hormis les bugs et tout, etc., c'est surtout la défense par rapport au fait où j'ai pas forcément de peine à défendre. Le problème, c'est qu'ils sont souvent en surnombre. Donc, je sais pas pourquoi mon équipe, je la trouvais très, très offensive et du coup, montait beaucoup trop. Donc là, j'espère, avec le repositionnement de mes milieux de terrain, que ben du coup on va avoir une défense qui reste un petit peu en place et surtout pas de 1 contre 1 ou 2 contre 1 à chaque fois. Tu vois là par exemple je me sens déjà un petit peu dépassé et puis tu vois mes milieux défensifs je les trouve très très hauts et du coup toujours un petit peu avec un point de retard, ce qui m'embête vraiment beaucoup sur la gestion des matchs. Et c'est pour ça que j'ai énormément de buts dans les matchs que je joue. C'est assez fou. Là, c'est vrai qu'au début, après, faut trouver ta formation, je pense. Faut trouver déjà une formation qui te plaît. Faut trouver un style de jeu qui te plaît. C'est ça le plus dur dans les nouveaux FIFA. C'est de réussir à trouver quelle est la tactique avec laquelle tu te sens bien. Moi, à la base, je joue toujours normalement avec deux attaquants. On voit que là, je suis vraiment en train de chercher parce que j'y arrive pas. Et donc là, je suis même passé à un seul attaquant avec Ouara en milieu offensif parce qu'il a les 5 étoiles et je me dis que ça peut être assez intéressant. Il a une bonne stat de passe aussi. Je me dis que Ouara sur les côtés, malheureusement, c'est un peu lent. En pointe, il peut pas. Enfin, il a pas la. Il peut pas jouer buteur. Enfin, en tout cas, il a pas la caractéristique pour. Alors, j'essaye, tu vois, de construire un peu gentiment, de pas trop me précipiter, etc. Trouver les positions où il y a un peu la place. Mais j'ai l'impression de toujours me retrouver face à un camion de défense, quoi. Tu vois, regarde, j'ai l'impression d'avoir un pressing constant et de pas réussir à trouver des gens un peu libres, quoi. Ouais, il l'avait lu. Bien joué. En plus, c'était pas ce dribble que je voulais faire. Dommage. Et tu vois là déjà tu as mon Virgil trop haut. Mais milieu gauche, milieu droit, faut qu'il redescende plus. Je me prends trop de profondeur en fait. J'ai de la peine à gérer ça. Oula. Attention. Bien, Gravenberch très bon. Hein. Le jour où il aura des cartes spéciales, lui il va faire très très mal, hein, je vous le dis. Là, tu vois, l'autodéfense, hein, c'est toujours omniprésent, hein, vraiment. Hein. Tu vois, il couvre les profondeurs. Et derrière, ben du coup, toi, tu dois jouer contre l'ordinateur pour avancer. On a tenté. Il y avait Leroy qui était en position, Il mise tout au milieu de l'adversaire. Ouais, non, bah après, en fait, c'est surtout le pressing que je trouve vraiment très très fort, quoi. Omniprésent même. Bah ouais, 1-0, hein, logique. Ouais, je vous jure, je suis éclaté sur ce jeu. Il est pas beau. C'est ton meilleur ami à l'heure actuelle. Oup. Eh ben les gars, c'est un doublé en plus pour le petit Dri, wesh. Le tac de dernière chance là, dommage. Leroy Fer, malheureusement les gars, comme je vous le dis, défensivement vraiment très solide, ça va le faire le taf. Et je pense vraiment que si vous voulez le jouer, ça va être défenseur central, donc on aura moins de fun avec lui que les années précédentes par rapport au fait où, ben voilà, offensivement il apporte très très peu. Même, j'ai pas peur de vous le dire, je trouve Gravenberch, comme ça qu'on dit, je crois, mon deuxième milieu centre, meilleur à ce poste là que Leroy Fer. Plus agile, plus dur sur l'homme, meilleur en récup, alors que c'est une carte normale, tu vois. Donc voilà. Ouais, dommage, j'ai essayé d'un peu de jouer avec lui. Virgil qui récup. Et là, on peut mitrailler avec Ouara, dommage. On va tenter ça. Et la passe en arrière. Druesh, il est chaud. Alors pourquoi pas. Bien joué, Virgil. C'est tout ce qu'on aime de toi. Et Ouara. Oh, le poteau. Simen qui récupère. C'est pas beau non plus. Mais ça rentre. Pas de réduction du score, s'il vous plaît. Ouais, c'est réduction du score ça. Ouais, logique, bien joué. De toute façon, c'est toujours des matchs un petit peu fous, hein, comme d'habitude. Hein. C'est des matchs à 3-2, 3-3, 4-3. Oh là là.
Oh Leroy Fer, non, pas ça de toi. On va rien dire, hein. Ah, là, on va pas commenter ce but, hein. Je pense que là, clairement, on a un souci de gardien éventuel. Après, là, ce qui se passe aussi, bon, je trouve qu'il y a des buts un petit peu bullshit, quoi, mais après, c'est comme ça, hein. Oh, dommage. J'essaie de tirer direct, j'en tire jamais direct. Pourquoi pas essayer aussi? Ah, dommage. Ah non. Alors, j'espère. Ah ok, hors jeu, merci, j'ai eu peur. Parce que je voyais qu'il y avait l'arbitre qui devait siffler quelque chose, mais j'ai pas compris parce qu'il mettait du temps. Oh là 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 là. Ah ouais, bon bah tant pis hein. Oh non. Bon bah voilà, encore un énième match où je gagne et je perds à la fin. Hein. Ouais, je vous jure, c'est dur. On est clairement éclaté au sol, hein. Y a pas à chier là-dessus. Mais malheureusement, bah c'est la vie. Ah tu vois, il est même plus dangereux que moi au final, alors que je pensais être plus dangereux. Hein. Ah non, 15 tirs. Ah ouais, d'accord. C'est 7 récupérations. 15. Oui, non, bah oui. Oui, ouais, c'est bizarre. 6 frappes, 4 buts, c'est dur. Bon, on va essayer un match. Bon, allez, deuxième match. Tentons. Ah bon bah... Ouais, les mecs, ils sont trop bons devant, quoi. Devant, les mecs, ils sont trop forts. Ils ont une action, ils marquent. Moi, je te jure, il m'en faut 15 pour marquer. Ah ouais, bon, en fait, il y a deux possibilités. C'est soit les mecs sont méga forts devant. Il y a trois possibilités. Soit les mecs sont méga forts devant et du coup, bah voilà, je vais jouer. Soit les mecs, ils ont des joueurs avec une finition incroyable et du coup, bah, j'ai pas les bons joueurs. Ça, j'y crois moyen. Soit, bah, j'ai pas de gardien, quoi. Force est de constater que moi, mon gardien, il fait pas d'arrêt, quoi. Ah, enfin. Après, vu que je perds, je peux sûrement gagner, quoi. Parce que à chaque fois que je gagne un match, je perds. Donc peut-être que là, bah, ça va s'inverser et c'est à lui que ça va arriver. Hein. Allez, Leroy. Oh. Ah ouais, le pied, il est salvateur, là. Mais tu vois, une profondeur, j'ai plus personne. Deux passes, il est déjà presque devant les buts, quoi. Il faut vraiment que je trouve une solution pour avoir plus de monde derrière. Hein. Y'a que ça à faire. Deuxième, hein. Oh, tu vois, ces arrêts-là, tu vois, tu te dis, bon, ok, je veux bien, mais... Oh, je l'ai tué. Oh, je l'ai tué là-dessus. Bon, doublé de Quara, ça fait plaisir, parce que justement, son repositionnement au milieu centre, c'est un peu pour ça. Et là, le dribble qui se remet bien dans le sens du but. Dommage, on n'ait pas pu le revoir. Allez, bah 2-2. Voilà, c'est les matchs FIFA, hein, 19ème. ça, t'es, je vous jure. Allez, aussi, maintenant, voilà, s'il te plaît, tu l'as fini cette fois. Voilà, merci beaucoup. Voilà, ça, c'est mon Osimhen, ça, tu vois. Tu vois, devant le gardien, il finit. Y a pas de gardien qui l'arrête miraculeusement ou quoi que ce soit. Oh là là, ça va trop vite pour lui, là, j'ai l'impression. Oh là là, ça va beaucoup trop vite. Oh là 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 là, ça va vraiment trop vite. Ça va vraiment trop vite, les gars. Bon, comme vous pouvez le voir, hein, Leroy Fer, on le voit pas beaucoup, hein, je vais pas vous mentir. Un petit peu déçu de la carte, quoi. Enfin, pas de la carte, parce que la carte a des belles stats, mais oui, le joueur en lui-même est pas très très fort sur le jeu, quoi. Bien, Virgil, superbe. Allez, Leroy, fais quelque chose. Tiens-le au physique, c'est au moins une de tes qualités, ça. Bah non, même pas. Hein. Même pas, il tient aussi même au physique, quoi. D'accord, petit compte favorable. Ah bah ça va être un but, hein. Ah bah ça, c'est clair. Ah bah ça, les gars, ça, c'est clair. Je pense que, ouais, prendre des risques en défense, c'est pas forcément récompensé cette année. Ouais. Voilà. Bah oui, il est dégueulasse aussi celui-là. 5-3, première mi-temps. Alors, les gars, vous aimez ce FIFA? Je te jure, c'est impressionnant. Enfin, j'arrive pas à m'en sortir. Je pense que la première fois que je l'ai, je dégage. Hein. Ouais, faut dégager hein, dans ces moments-là. Mais toujours. Ah, bah ouais. J'essaie de tacler pour récupérer la balle. Et du coup, bah, penalty. Ouais, logique. Magnifique arrêt. D'accord. C'est quoi ce qui se passe? Oh, mais oui, mais c'est... Oh, c'est trop, frère. C'est trop. J'aurais bien voulu qu'il me touche pour avoir le penalty, mais ça va, au final, on a réussi à gérer l'action. Bon, bah, ça, c'est du match, hein. 6-5, les gars. Et c'est peut-être pas fini. Obligé, hein. Je suis obligé de mettre des gros parpaings. Oh, vraiment?
À quel moment, je sais pas les gars, tu prends la balle en vrai, j'en sais rien les gars, moi tu sais. Je suis pas forcément étonné, je vous dis, je n'arrive pas à gagner un match depuis 3 jours. Bah 6-6 du coup, pas de victoire encore. Pour l'instant vraiment c'est compliqué pour nous, on a de la peine à comprendre le jeu, peine à comprendre, ouais je sais pas, il y a plein de choses cheloues qui se passent et du coup c'est plus... Ouais enfin voilà, tu vois, il y a plus ce côté football où bah t'as l'impression de maîtriser, tu gagnes 2-3-0, c'est bon quoi, enfin il y a pas de problème. En tout cas on a essayé les gars, on n'a pas réussi, c'est un fait, maintenant ben il va falloir, falloir trouver des solutions.